et tous, c'est Grim et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Grim Story, épisode 7, toujours en compagnie de Siana Panda. Salut! Coucou! Comment ça va? Mais ça va bien et toi? Ça va. Alors pour la petite anecdote, on est en train... En fait, je tourne à la suite, tout simplement. Parce que je me suis bien lancé motivé là. Je me suis bien lancé motivé, bien sûr! Je me suis bien senti motivé et du coup, bah, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée de continuer à tourner. Oh! Le bonhomme, il s'est retépé dans le portail. Oh. Trop nul quoi. Donc pour cet épisode je me suis dit que finalement j'allais faire une... Maintenant qu'on avait mon sort de lumière, ça va nous permettre déjà de mieux explorer. Mais essayer de faire une petite base au final, ici, dans la Cave World. Puisque Cave World c'est cool quoi. Bon, c'est cool. Moi j'aime bien Cave World. Par contre ouais le mana là ça manque clairement. Il faut vraiment que je me renseigne sur le mode, j'ai pas... Bah, du coup j'ai pas regardé puisqu'on enchaîne mais... Ah, je sais, il me fallait du bois. Bah, je vais aller chez toi. Vas-y, vas-y. Est-ce que t'as une table de craft? Est-ce que t'as du bois quelque part déjà? J'ai que des sticks dans mon inventaire. T'as pas de bûche? Non. Pas de planche non plus? Non plus, j'ai tout utilisé pour commencer à faire mes coffres. Je vais aller voir chez moi du coup, parce qu'en fait, j'aimerais bien mettre une table de craft. Mais il y en a une à côté du portail, je mets. Hop, hop, hop. Au pire, attends, parce que le portail finalement il est loin là-bas. Il est un peu loin. Faudrait qu'on le mette à côté du portail du Nether. Ouais. Mais je sais pas où ça va nous amener. Mais là on a déjà utilisé l'Under Chest, je crois qu'on va pas le récupérer. Il me semble non. Que j'ai lu qu'on pouvait faire un shift-click ou quelque chose comme ça directement sur le portail. Et il y avait un Under Chest à l'intérieur caché. De toute façon, pouvoir mettre des minerais à l'intérieur. Oh, mais tout le monde de ce TP à l'intérieur, c'est horrible. Oh! Quoi? J'ai fait un shift-click sur le portail. Ouais. Mais pas sur la structure en elle-même, juste sur le feed, enfin. Ah ouais? Le mur. Tu mets un clic droit en fait. Cave World Portal. C'est trop bien. Waouh! Contre, s'il y a le moindre zombie, il est TP direct en fait, c'est même pas... Ouais. C'était pas un stand là-dedans. Bien, alors je voulais faire une petite base avec des fours. Donc il me fallait la table de craft. Je récupère la table de craft. Hop. Et on va faire un max de fours. Parce que si on veut miner, c'est quand même mieux d'avoir des fours. C'est vrai. Où est-ce qu'on va faire ça? Enfin, déjà, je vais casser tout ça. Ah, niveau 8 en magie. Je crois que niveau 10, je vais pouvoir faire un nouveau sort. Il faudrait que je fasse le sort d'attaque magique en fait. Le plus important. Et je disais aussi, enfin, ce qui pourrait me sembler intéressant, c'est d'essayer de faire des systèmes d'automatisation avec la magie. Il y a moyen de faire des trucs, il me semble. C'est vrai. Et comme j'adore le LP, mes mécaniques type-pierre, ceux qui me regardent le savent peut-être. Et du coup, je me suis dit. Faire des genres de petites usines comme ça, mais avec en utilisant des sorts, des trucs, de la magie, ça peut vraiment rendre vraiment sympa. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans le Nether, notamment plein d'usines. Je sais que là, il est en train de faire une usine avec une usine à Ghast, il me semble. Ouais, arriver à faire une usine à Ghast, quoi, le mec. Moi, j'adore. Toi, t'es fan de Hunster, moi, je suis fan d'Hypierre. Ça balance. Ah, ouh. Ouais, moi ça va être pire, écoute, c'est comme ça. Et non, je ne regarde pas les vidéos de Super Brioche. Et non, je ne regarde pas les vidéos de Stefano. Et ils le savent. Et d'ailleurs, ils regardent pas les miennes non plus, donc bon. C'est donnant, donnant. C'est surtout qu'on n'a pas le temps. Bah, s'il fallait regarder les vidéos de tous les copains, oui, effectivement, on aurait plus le temps. Parce qu'il y a beaucoup trop de copains. C'est ça en fait. Il y a trop c'est de ça. Monde et... Mais tu peux pas regarder tout le monde. Trop de monde qu'on aime bien regarder, puis pour le coup... Bon, moi je me limite au LP finalement chez Hypier. Ouais. Je regarde bien les vidéos de Durandal. Est-ce que tu connais Durandal? Oui. C'est vrai? J'aime bien, ça fait un moment déjà que je le suis, depuis le démon du rire. Mais j'aime beaucoup la façon dont il traite les films en fait. Et toi, que regardes-tu? Bah, Hunster, comme tu l'as dit. Ouais. Je regarde aussi les vidéos de Mathieu Sommet.
Ouais, ça c'est. Je crois qu'un petit peu. Enfin, tous les gens qui tournent sur YouTube regardent un petit peu les vidéos de Mathieu Sommet, d'Antoine Daniel. Oui, c'est vrai. Bah, Antoine Daniel, je regarde moins bizarrement. Je sais Bah, pas. il en sort plus. Oui, non, mais même quand il est comparé à Mathieu Sommet, genre Mathieu Sommet, s'il sort sa vidéo, genre 24 heures après, je l'aurais vu, grand Ouais. maximum. Antoine Daniel, je peux être là pendant un mois, 2 mois, ne pas regarder des vidéos, ça me dérange pas, quoi. C'est vrai. Bon, moi, généralement, j'étais toujours là le jour de la sortie, j'aimais bien. Là, c'est vrai Ouais. que ça fait très longtemps qu'il n'en a pas sorti. Il me semble qu'il est. Je veux pas m'avancer, mais je pense qu'il en fera plus trop maintenant. Ouais. Ouais. Je pense qu'il en a marre. Enfin, c'est un avis personnel, attention. Je ne sais pas du tout ce que fait C'est Antoine vrai. Daniel, ni ce qu'il pense. Hein. On ne s'est jamais parlé. Oui. Voilà. Mais je pense, vu enfin, la régularité de sortie des vidéos, qu'il en a marre. Bah, en même temps, ça fait longtemps qu'il est sur YouTube. Ouais, mais Ça peut se bon, comprendre. il doit faire d'autres projets, ça c'est cool aussi. Oui, bah oui, Y a toujours tant un mieux. après YouTube. Toujours. Parce que souvent la question revient justement et les gens me demandent, est-ce que tu te vois faire YouTube toute ta vie? Te Ben, voir faire du YouTube toute notre vie, c'est juste la question, quoi. ouais, mais en fait j'ai envie de dire pourquoi pas, mais le truc c'est que ça dépend, on sait pas comment ça va évoluer parce que Voilà, on peut pas voir dans le futur. c'est pas un métier fixe, c'est pas un métier stable au final YouTube. Vous êtes nombreux à essayer de vous lancer, c'est une très bonne idée hein, finalement. Mais bon, déjà c'est encore plus difficile que quand moi j'ai commencé, et puis finalement j'ai commencé assez tard sur YouTube. Oui. Mais là c'est et encore j'avais quelques petites opportunités, mais si vous commencez seul et que vous n'avez pas d'opportunités et que aujourd'hui, mais c'est une vraie galère. Hein. C'est limite pas possible. C'est vraiment. Ça dépend vos ambitions finalement. Mais si vous faites juste des petites vidéos comme ça de temps en temps, il n'y a pas de souci. Si vous avez vraiment envie d'être connu par beaucoup de gens et de pouvoir vivre ce que vous faites, ça devient vraiment, vraiment très très compliqué aujourd'hui. Et comme je le dis souvent à des amis ou autres, maintenant YouTube sans pub, c'est pas possible. Non mais même ça, enfin même avec, hein, c'est. Il y Ouais, même a. avec, mais ouais, sans pub, c'est limite pas, c'est vraiment pas faisable, quoi. C'est vraiment très difficile. C'est faisable, mais oui, oui, c'est pas possible. Donc bon, il y a voilà. Je sais même pas pourquoi j'ai dérivé sur le sujet en fait. Je sais pas. Je sais pas non plus, mais bon, j'ai dérivé. Ouais, Et ça fait un petit débat sympa. voilà, c'est un petit débat sympa. Mais oui, si, enfin, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous aimez et même réalisez votre rêve, si votre rêve c'est du YouTube, hein. Mais Déjà, ne faites pas l'erreur d'arrêter l'école. ah oui non. Bah surtout pas pour Mauvaise, ça, parce que là mauvaise erreur. vous allez vous faire engueuler par vos parents et en plus de ça, c'est pas une bonne idée du tout. Parce que admettons un jour, ça marche pas. Vous avez arrêté l'école pour ça. Voilà. Vous n'avez pas l'air con en vrai. J'aime bien comparer YouTube au métier de comédien, d'artiste, de musique. Si t'es pas passionné, si t'es pas à fond dedans, tu peux pas vraiment te Et lancer, puis c'est pas très déjà. gratifiant non plus. C'est ça. C'est pas très bien reconnu, les gens ils savent pas trop ce que tu fais, et puis c'est. En fait ça a l'air bien, mais finalement c'est. Enfin Très compliqué. c'est bien, ça reste bien, mais c'est effectivement très compliqué. Donc voilà. Les gens ne vous lancez pas sur YouTube à la légère. Oui, voilà. Moi je vous le dis clairement, si je n'avais pas. En fait je n'étais plus en coiffure puisque je n'avais pas trouvé de patron. Voilà. Mon âge avancé pour faire ce que je voulais faire, j'avais pas de patron donc si j'avais pas eu justement rien, je ne pense pas me lancer sur YouTube à l'aveuglette comme ça. Je pense qu'il y a très peu de youtubeurs qui se sont lancés en ayant quelque chose à côté. Hein. Ouais. Je pense que c'est YouTube est devenu une roue de secours. Hein. Au final, pas une roue de secours parce que enfin. Pas une roue de secours, mais disons que c'est au moment où justement on n'a plus rien, donc du coup, Parce que pendant les premiers bah, mois, il n'y a pas de roue de secours. Il n'y a rien. oui. Voilà. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Hop, 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 je te casse ça, ça, ça. Si tu veux qu'on fasse la base dans le. Comment on va l'appeler cette dimension d'ailleurs? Dans la cave, on va appeler ça. Ouais.
Si tu veux faire la dimension dans la... Si tu veux faire la base dans la cave, j'ai bien commencé déjà. J'ai plus de mana, c'est chiant. Ah. Ah, c'est trop horrible. Et si t'as du charbon aussi, du coup je sais même pas où j'ai foutu le mien. Mais j'en ai Ouais, pas. je vais en ramener. J'en ai pas farmé comme ça, mais les fours directement là-bas et basta. Yep. J'essaie de trouver du charbon un petit peu, les amis. Les jamis. Les jamies. Et du diam! Yeah, GG. Non, et du diam, je veux ça, Ah. et du diam. Il te faut quoi pour la dimension? Qu'à du charbon pour commencer à faire cuire les minerais qu'on aura trouvés. Ok. À part Moi j'ai ça, rien. pour le moment, rien de bien. Faut miner quoi. Ah, peut-être Boum. des conteneurs aussi, des coffres. C'est vrai. Ah oui, tu t'es bien fait plaisir là au niveau des. Ah oui, j'ai creusé. Ah bah c'est bon, je viens de trouver du charbon. Hop, hop. Oh! J'ai trouvé. Ah, mais elle est déjà passée par là. Lol. Je passe partout. On est déjà passé par là. Et ouais. D'accord. Et c'est moi qui suis passé par là parce que j'avais déjà mon sort de lumière ici. Non, plus de mana. Il me tarde de. Oula. Oui. Ah, c'est le gravier en fait qui me tombe dessus. Ah. Ok, il n'y en avait plus. Je sais même plus où j'en étais. Tuk. En fait, le défi, c'est d'essayer de rendre le minage intéressant. Hey, on peut le faire, hein? On peut, tu crois qu'on peut le faire? Oui. Moi, je vais essayer d'y croire. Hein. Comment rendre le minage intéressant? Mais en fait, enfin, vous allez rire, mais j'adore miner. Minecraft, j'adore miner. Avant, je détestais ça. Et ceux qui me suivent depuis le début le savent. Hein, je déteste les mines. Je me disais, putain, je suis claustro, il y a des bugs partout. Ah! Et puis maintenant, je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça. J'adore miner. Passer ma vie sous terre à récupérer un max de ressources à faire. Ah! Ouf! Ah! Je suis tombé dans un grand trou! Ah ben. Oula, putain! J'ai rien vu venir. Ça m'a complètement coupé dans ma conversation en plus. Tu te Qu'est-ce que sens c'est? nain maintenant. Comment? Tu te sens un nain. Ah bah Comme ouais, un pour le nain. coup. T'aimes bien les mines. Pour le coup, j'aime bien les mines et j'y passe ma vie dedans en fait. Et toi, aimes-tu miner, Siana? Bah, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on fait dans Minecraft, donc moi ça me dérange pas du tout de passer des heures et des heures à miner. Hein. Minecraft, c'est un jeu Moi pour les j'aime. farmeurs. Oui, voilà, c'est ça. J'aime beaucoup le côté survie, surtout de Minecraft. Toujours bon à savoir. Donc, du coup, bah, Moi, c'est. tout ce qui est pour miner, justement, pour survivre, j'aime ça en fait. D'accord. Bah, moi, ça aurait été clairement la côté construction. Je m'éclate à fond en construction. Bah, tu vois, je m'éclate plus par exemple sur un Kill the Viewer ou autre Ouais. que dans un endroit où faut construire une ville, faire sa petite base et tout ça. J'aime bien avoir genre un trou de avec ma table de craft, mon four, mon coffre et les minerais à aller récupérer quoi. YOLO, d'accord. C'est ça, complètement. Ah, moi j'aime bien avoir des terraformés, faire plein de trucs. Enfin, Ouais, je vois le genre. même s'il faut que je le fasse en survie, parce que finalement j'aime bien le faire en créa parce que ça, tu peux te permettre de faire des projets de beaucoup plus grande envergure en fait. Oui. Mais même le faire en survie, j'adore en fait. C'est Un peu comme Fleurimel en fait, elle aime bien faire ça en survie aussi. vrai. Bon bah du coup je me suis perdu de nouveau. Mais Et tu je. sais maintenant ce qu'il faut faire. Ouais, je sais ce qu'il faut faire, par contre je sais plus du coup. Enfin, j'arrive pas à trouver les minerais que je veux, c'est chiant parce que du fer c'est cool, mais c'est pas ce que je veux. Moi je veux du Ouais. diamant! Je veux du diamant. Je veux du diamant. Hop, hop. Redstone, ouais, bof. Je sais même pas où je suis tombé en fait. Tu m'as explosé de rire. Vas-y. J'ai du diamant juste à côté de moi. Mais tu es où? Je suis vers de la lave. Ouais. Oh, et en plus, c'est un gros filon, je crois.
Ah, mais c'est pas vrai. Non, mais moi j'ai pas de chance pour le diam. C'est Non, mais il sûr. sera pour toi, j'en ai du diams, donc il sera pour J'en ai un toi. petit peu dans mes coffres aussi, mais je préférais les garder pour des pioches. Mais. Quoique, on verra. Je crois que j'en ai une vingtaine, un truc dans le genre, donc franchement, le diams, il est pour toi. Ah, mais attends, mais je te vois sur la carte. Mais hey! Je suis en Oh. profondeur, je suis en... Ouais, je suis en couche 11. Ah. Ah, j'ai entendu! Je te laisse Attends. miner. Vas-y, suis le squelette, suis les sources d'eau, descends. Ah mais il faut que je le tue d'abord lui, il m'énerve. Vas-y. Hop. Garde le Oh, filon. effectivement, diamant. Vas-y, je te le laisse miner, il C'est est pour gentil, toi. c'est gentil. Du coup, je vais quand même le miner avec la pioche. Ça me permettra de faire un peu d'XP. Genre! Quoi? Viens voir, Grim! Un Sérieux? zombie avec un archer! Enfin, un arc, donc du coup, c'est un archer. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, j'en avais vu un. J'ai dit mais c'est bizarre ça, j'en ai jamais vu. Bah, moi non plus. Oh, il y a plein de mines TM! Ça? Ah oh, ouais. Attends, j'éclaire un peu. J'ai mes torches. Mais cette dimension elle est cool. On commence à faire un joli stock. Oui. C'est ce qu'il nous fallait en fait. Oh, du diam! Hey, il a trouvé son Ah bonheur. ben ouais, c'est ça en fait. Il y a encore du diam là. Nam. Diamobor. Moi, totalement. Ça et l'obsidienne, c'est mon péché mignon, l'obsi aussi. Allez, bientôt niveau 10 en magie là, ça devrait monter dans pas longtemps. Ça, on va récupérer. Mais est-ce que... Non, c'est bon. Tac, tac, tac. Oh, encore plus de vitesse. Oh, trop bien. Alors, en gros, qu'y a-t-il? Ah, par contre, il y a de la lave en dessous. Ça, je suis pas trop confiant. L'eau est ton ami. Ouais. Éclairons un petit peu les environs. C'est dommage que les gens vous entendez pas à fond la musique, mais le son d'ambiance hein, est juste génial. Mais t'as augmenté l'environnement? Ouais, mais après ça devient un peu fort, je pense. Ça va aller. Je monte encore un petit peu. Monte-le pour voir au pire. Je le mets à 100%. Mais j'entends très faible hein, finalement. Je l'entends pas très fort. C'est une Bizarre. petite musique bizarre. On a l'impression d'être dans un Ouais. endroit. Bah finalement une cave. J'espère que vous l'entendrez à la vidéo. What? Qu'est-ce qui t'arrive? Creeper et en même temps zombie. Ça fait un peu film d'horreur en fait. Ouais. C'est rigolo, j'aime bien. Je découvre là vraiment. Autant en Magicka j'ai suis rodé mais autant qu'à World c'est mon premier essai, donc c'est. Oh, c'est flippant en fait! Il adore. Ah, c'est trop cool! Ah, ben les gens prenaient ce mode, hein. Il est vraiment pas mal. J'avoue qu'il est pas mal. Ouh là là. Ah non non Me non. direz dans les commentaires si vous trouvez le son un petit peu trop fort ou trop faible. Hein. S'il est trop faible, je sais pas trop quoi faire, puisque déjà j'entends pas mal le son du jeu. Mais si effectivement il est trop fort, je le baisserai un petit peu. Je l'ai quand même monté à 100% là. What the fuck? J'ai vu Tac une tac. barre de vie, genre comme la barre de l'Ender Dragon. Ah ouais? Attends. Je vais essayer de te rejoindre. Oh, attends, j'ai plein de fer, hein, ça va. Master! Attends. Parce que, ah, j'ai les noms des blocs dessus. Mais il y a apparemment un Master Skeleton. Master Cavanic Skeleton. What the fuck? Je connais pas Essaye ça. de me rejoindre. J'essaie, mais attends, j'essaie de. Ah, de me sauver parce que j'ai deux archers sur la tête là. Ouais. Il n'y a que des archers en fait ici. Attends. T'es sérieuse, il y a un boss? Bah, j'essaye de retrouver la barre. Moi j'éclaire un peu. Ouais, bah t'arrives dans ma direction. Ah, je vois ton sort. Coucou. Salut!
Et ouais, j'ai la barre de vie par là-bas. J'arrive. Il y a de la vintéum. Il y a plein d'or là. Ouais, c'est... Par contre, j'ai plus beaucoup de mana. Non, si ça va encore, je peux encore éclairer un peu. J'essaie de voir, c'est parce que j'étais dans l'eau et c'est en pointant vers le haut que j'ai eu la barre. J'arrive pas à la retrouver là. Si c'est en pointant vers le haut, c'est peut-être qu'il est plus haut. Enfin. Possible. Ou alors c'était peut-être qu'il était encore plus bas. Et que t'as peut-être trouvé le chemin pour aller dans la cave profonde, je ne sais rien. Je sais pas. Mais ouais, j'avais genre Master Cavanic Skeleton, je crois le nom. Ou alors il a despawn. C'est pas impossible aussi. Pas impossible, ouais. D'accord. Bah il Il y a une faudra. faille avec du diams. Wouh! Oh. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Faudra. Fais Oula. gaffe au Ouais, squelette. je viens de le C'est pour voir. ça. Bien en face de moi en plus. Faudra être très prudent justement s'il y a ce genre de mob. Ouais. L'eau disparaît. L'eau, la lave plutôt. Hop là. Ah, j'ai pas de quoi aller choper le squelette, c'est chiant. Hop, 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 ça c'est bon. Hop, hop, hop. Oula, j'ai failli tomber. Par où tu es? Oh, mais je veux. Vas-y, prends. Non, non, c'est pas ça. Ah, ah. C'est le squelette que Là, j'ai il y en a fait. plein de diams. C'est vrai? Ouais, Oh, j'ai deux j'en filons. vois. J'en ai un là et il y en a un ici. Donc, descendre dans l'eau et... Trop bien. Mine. J'ai 10 diamants sur moi là. Mais t'en as pas besoin du tout? Non, j'en ai plein. Ok. Pose pas de torche, hein, je m'amuse à allumer. Ok. Ça fait putain de caverne, regarde avec le sort de lumière en haut. Ouais. Ah, j'ai plus de mana. Bon, je commence à miner. Par contre, j'ai peur que. En dessous, il y a de la lave. Ah non. Toujours se méfier de ça en fait. Sous les blocs, quand vous creusez, faites toujours très attention où vous creusez. Règle numéro 1 dans Minecraft, ne jamais creuser au-dessus et en dessous de sa tête. Regardez partout. Oh putain, regarde ce filon. Ah ouais, attends, j'arrive. J'entends de creuser tout autour là. Oh la vache! Eh ben, fais-toi plaisir, j'ai envie de dire. Ah, Oh, il y il a y a The Mathieu qui Mathieu! vient de se connecter. Peut-être qu'il a envie de nous rejoindre. Tac et tac. Mais je savais pas qu'il jouait. Il vient de temps en temps. Oh, mais il y en a encore en fait. Oh, mais il y en a partout, Siana. Je viens de choper. J'étais à 10. J'ai déjà récupéré 10 de plus là. Oh, aïe, 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 la lave. Patentia. Yo, Matt. Ah, oh. Ah, ça fait Fais putain de attention à mal. toi. En fait, j'arrive pas à creuser correctement. Attends, il faut que je creuse ce bloc. Parce qu'il y a du minerai, mais il était sous le psy en fait. Ouais. Et le diamant, les gens, je laisse pas passer. No way. Pas possible. Mais en plus, c'est encore un zombie avec un arc qui m'attaque. Mais oh. No way. Là, il No y a de la lave way! encore. Ah, je l'ai eu, mais je vais mourir. Non, ça va. Non! Ne meurs pas! Il me reste un cœur. J'ai pris ma race et j'ai 10 niveaux. Je me demande si je vais pas me Je vais laisser mourir. mourir. Quoique Allez. non, il faut pas que je cède à la tentation. Hey! Oh, il y en a un qui lui, par contre, est mort. Ouais, t'es amoché, hein, on dirait. Hop. Je voulais ce minerai là, moi. Donc là on est en couche 11, ouais, c'est ça, à peu près ça. Bah du coup le filon il y avait 12 diames dedans. Yeah, ça c'est cool. Hop, du lapis pour la déco. Moi j'aime bien les blocs de lapis.
Pour le toit de la tour des mages. Est-ce que j'ai changé mon texture pack? Je sais plus. Il faudra plus de. Il faudra table de craft pour faire un bloc de lapis. J'ai envie de rentrer chez moi. Quoique. Ah, mais attends, mais t'as pas pris. Ah oui, t'as pas pris le diable là. Non, non, tu le laisses pour toi. D'accord. Bah, Encore un énorme filon, est-ce que je vois? il y en avait moins celui-là. Mais à ce rythme-là, j'en aurais plus que vous. Gaffe! Jamais creuser sous ses pieds, je suis con. Oh. Je l'ai dit en plus. Vous avez vu comment je suis remonté, je trouve fort. Hop. Ah, Mathieu, il se fait gangbang, on dirait. J'ai envie de retrouver ce boss, ça m'intrigue. Il faudrait, il faut fouiller. Y a vraiment pas d'alternative. Hop, ça c'est bon. Oh, du lapis encore. Bah écoute, moi je vais peut-être me laisser mourir pour le coup, parce que je vois, en fait je sais plus du tout par où je suis arrivé. Oh. Et je vais en venir à la maison. Ah non, je reviens pas au spawn. Je Ah, reviens ça c'est... directement au portail en fait. Ouais. C'est cool ça. Donc, même si tu meurs, bon, bah, après c'est parce qu'on a le keep inventory aussi. Oui. Tac. Hop, on fait ça. Mais, ça suffit les zombies archers? Tac. Je récupère la table de craft. On va se faire une jolie base là. Oui. Niveau charbon, on en est où? Ça commence à être sympa. Je vais faire cuire la vintéum. J'ai pas beaucoup de charbon en fait. J'ai très peu de charbon. Regardez le nouveau. Attends, est-ce que c'est mon bon texture pack? Ouais. En fait, j'ai changé la texture du. Oh, il rend vachement bien en fait de près. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai un trou de mémoire. La stone brick. J'ai pris la texture de la stone brick et j'ai pris la texture du bloc de lapis. J'ai mixé les deux. D'accord. Et ça rend sympa. Oh. Qu'est-ce qu'il fait, Matt? Il se fait défoncer la gueule, on dirait. Je pense que comme il joue pas souvent, il doit pas être stuff ou autre. Il faudrait savoir où est-ce qu'il est et aller le rejoindre, peut-être. Oh, j'ai trouvé un spawner. Un spawner de quoi? Le spawner le plus utile au monde, de chauve-souris. What? Ah oui, effectivement, oui. S'il y a bien un spawner qui sert à rien, c'est celui-là. Je savais même pas que ça existait. Ah, mais ça devait être un spawner spécial. Du coup, j'ai trouvé un spawner. Ok. Eh bah écoute. T'es cool. Mais il sert à rien. Ouais, c'est vrai. Donc c'était pas par là que j'étais allé. Non, mais je me suis complètement paumé, moi, mais c'est n'importe quoi. Bref, je crois que je vais rentrer. Je vais me faire du stuff en diam, puisque maintenant j'ai pas mal de diam. Je vais faire une petite armure en diam à la maison. En fait, j'ai envie de casser le portail qui est dans ta base, mais je crois que. J'ai peur que ça refasse. Ça le refasse pop en fait. Non? Je sais pas. Tu sais pas? Tant pis. On fera comme ça. Parce que là, finalement, on se retrouve avec trois portails pour deux directions. Et ça, c'est moyen, quoi. Ouais. Et Tac, moyen, tac. C'est moyen. moyen, moyen. Donc, on va faire ça. Je vais me faire un petit stuff. On en est à 30 minutes. On va se laisser là, les gens. Écoutez, en plus, on est niveau 10 en magie. Donc, je vais aller apprendre mes nouveaux talents. On va voir ce qu'on pourra se faire au prochain épisode. Il faut vraiment que je continue à utiliser au max de la magie de façon à pouvoir avoir des trucs. Donc là j'ai 2 points. Ah, je peux me faire mon sort de Magic Damage. Ça y est. Donc j'ai quoi d'autre qui est disponible? J'ai Vision Nocturne, j'ai Feather Touch, Blaze Block. Et en défense il y a du Sel. Je peux faire une Sel Régénération. Mais non, je vais faire un sort d'attaque.
Magic Damage. J'ai retrouvé la barre du mob. Ok. Donc, les gens, prochain épisode, je vais remettre mon spawn là. Il fait pas nuit. Prochain épisode, on va essayer de se farmer les compos pour faire le Magic Damage. Je vais regarder ce qu'il faut. Il faudra que je me fasse un bouquin. J'ai plus de compos, j'ai plus de cuir, il me semble. J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore merci à Siana d'être passée sur enfin, sur le serveur. Mais de De toute rien. façon, elle continue. Je pense qu'à l'avenir, vous pourrez même voir d'autres personnes qui vont être présentes pendant les tournages, puisque je leur ai dit que finalement, ils pouvaient venir dans la convo. Là, on est sur TS, du coup, c'est un petit peu libre, le libre service. Chacun fait ce qu'il veut et il vient s'il veut. Donc, ça donne un petit peu plus d'ambiance et d'humour à la série, c'est cool. Faudra qu'on essaie de faire des objectifs. Que quelqu'un passe niveau en 20 en magie le plus vite possible pour qu'on essaie de faire spawner le premier boss d'Art Magica. Ah oui. Ouais, ça c'est pas mal, et puis surtout qu'en plus, les boss d'Art Magica, c'est pas du one kill, tu peux vraiment les faire pop autant de fois que tu veux. Ouais. C'est pas comme l'Under Dragon, du coup. On peut vraiment les farmer, en faire des usines et tout, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà. Allez, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la Grim Story. D'ici là, portez-vous bien, bye bye tout le monde. Bye.